À toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Léon Djoléo. Débutons cette édition en France où séjourne le président de la RDC dans une interview accordée le mercredi 19 mai à Paris à trois médias internationaux. Le président en exercice de l'Union africaine, président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se refusait de répondre directement à son homologue Paul Kagame dans le récent propos sur le rapport mapping de l'ONU qui ont suscité une vague de réactions négatives en République démocratique du Congo. Suivez. Ben d'abord, permettez-moi de vous le dire, je ne suis pas là pour répliquer à mon homologue. C'est quelqu'un avec qui j'ai de bonnes relations. Je saurais comment passer le message autrement. Ensuite, je dirais que le rapport mapping, c'est quelque chose qui a été fait par des experts de l'ONU. Ce n'est pas les Congolais qui l'ont fait, ce ne sont pas les Congolais qui accusent. Ce sont des gens objectifs qui ont fait ce rapport. Et ensuite, je dirais aussi que justice doit être faite pour toutes les victimes, toutes qui sont tombées, qui ont été arrachées à la vie au Congo et ailleurs dans la région. Et donc, pour moi, ce serait plutôt une attitude positive que le président Kagame aurait de collaborer à cela. Parce qu'à ce stade, il n'y a pas encore de condamnation. Donc il faut se mettre au service de la justice. Et si ces gens qu'il défend sont innocents, la justice les innocentera. Quant à nous, à moi particulièrement, je tiens à ce que la paix et la sécurité reviennent dans mon pays parce que je veux tourner cette page sombre de l'histoire de l'Afrique, ce qui est une honte de vivre en se regardant en chien de faïence avec ses voisins. Je veux la paix pour mon peuple, mais pour les peuples voisins aussi, que nos pays se tournent vers leur développement plutôt que de se faire inutilement la guerre. Demain, lorsque cette paix sera une réalité, nous allons ouvrir ces pages aussi sombres avec la justice congolaise et voir dans quelle mesure nous pourrons régler les méfaits du passé par une justice transitionnelle ou par une justice pénale. Enfin, peu importe, l'essentiel est de sortir de ce cycle infernal et d'aller sur le développement et les bonnes relations entre nos pays. Revenons à Kinshasa où l'ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC a été reçu le jeudi 20 mai à la primature par le Premier ministre Jean-Michel Samalou-Kondé. Les grandes questions relatives à l'état de relations bilatérales entre le DPI, l'état d'avancement de projets de la coopération belgo-congolais ainsi que de questions relations multilatérales dans le cadre de l'Union européenne ont été abordées par le personnalité. Après l'européenne, le Premier ministre a reçu le directeur du bureau régional de multisectoriel de l'UNESCO pour l'Afrique. Toujours à Kinshasa, la proposition de loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme au cours d'un atelier de la Commission nationale des droits de l'homme que dirige Mwamba Mushinkonke. C'est jeudi à la grande salle du ministère des Affaires étrangères. Suivez. Ils font face à des intimidations, harcèlements, attaques, représailles, voire assassinats. Les défenseurs de droits de l'homme en RDC ont droit à une protection. C'est la raison de cet atelier d'appropriation et d'imprégnation de la proposition de loi portant protection des défenseurs de droits de l'homme endossée par le député national Jean-Paul Séguiobé. La Commission nationale de droits de l'homme qui a organisé ses assises a invité l'Assemblée nationale et le gouvernement à jouer leur rôle afin que cette loi soit finalement adoptée par l'Assemblée nationale puis promulguée par le chef de l'État. Le premier rôle commence à partir de l'Assemblée nationale à travers la proposition de loi qui sera introduite au bureau de l'Assemblée nationale. Cette proposition doit recueillir un avis. Et quel est cet avis favorable? Donc il fallait aussi sensibiliser son Excellence pour que l'avis favorable soit rapide donné. Cette fois-ci, on ne peut plus rater l'occasion.
parce que nous voulons avoir cette proposition de loi. Fabrice Puella, ministre des Droits humains, qui a pris part à cette rencontre, a encouragé cette initiative parlementaire et rassure de son accompagnement pour l'aboutissement de cette démarche. Nous encourageons justement notre ancien collègue, l'honorable Seki Obé, à aller de l'avant. Et quant à nous, nous rassurons également que nous accompagnerons l'étape du gouvernement pour que cette initiative puisse voir le jour. L'endosseur de cette proposition de loi revient sur son importance. Avec la Commission nationale des droits de l'homme, on a trouvé que c'était important de porter au niveau de l'Assemblée nationale cette proposition, laquelle pourra être adoptée avec l'accompagnement non seulement de nos collègues au Parlement, mais aussi l'accompagnement du gouvernement pour que dans ce secteur, on ait cette fois-là une législation idoine. Cet atelier a été marqué notamment par le témoignage de l'un des défenseurs de droits de l'homme, Christopher Ngoy, arrêté puis incarcéré pour son combat pour les droits de l'homme. Rendons-nous en Ituri où une personne a été tuée et sept autres grièvement blessés par deux inconnus armés qui ont attaqué dans la nuit de mercredi 19 au jeudi 20 mai le carré de Luemba à plus de 55 km au sud de Mambasa dans la province de l'Ituri. Toujours en province, les enseignants de sept écoles primaires du réseau catholique œuvrant dans Mambasa, située à près de 160 km au sud de Bunia en Ituri, observent une grève depuis ce jeudi 20 mai 2021. Le gréviste dénonce entre autres la modicité et le retard injustifié de la paye de leur salaire. Après Zoé Kabila dans les Tanganyika, la dynamique de jeunes pour le développement du Lomami appelle les députés provinciaux à initier une motion de censure contre le gouverneur provincial que dirige Sylvain Lumbamba Mayombo, accusé de mégestion. Cette structure de la société civile indique que la léthargie et la complicité des élus provinciaux dans la réalisation des actions capables de favoriser les développements par l'exécutif provincial peuvent le spectacle de la corruption honteuse constatée lors des élections du gouverneur et son vice dans la province de Lomami en avril 2019. Et enfin, pour boucler cette édition du journal, depuis une semaine maintenant, un conflit des limites oppose le territoire de Mweka et Luebo dans la province du Kasaï. Les habitants de Luebo accusent les services de cadastre du territoire des Mweka d'avoir déplacé les bornes limitrophes entre les deux territoires dans la commune rurale de Luebo, dont la deuxième cité appelée communément Luebo Michimo. Par contre, c'est par ici que nous bouclons cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.